qui pêche qu'au vif. Elle est ouvert, mais... Génial. Et du coup, il m'a demandé, enfin, okay. Du coup, il me dit... Je vais l'appeler. Et il m'a dit, mais l'autre, il m'a dit, c'est sûrement parce que c'est un nylon... truc de rigide aussi, et c'est grâce à ça qu'il résiste à l'abrasion. Donc, je sais pas, on attend... Ça fait très... Faut que ça fasse 13, 15, entre 13 et 15 mètres, un peu sous peu, dans quelques années. Ah ouais? Tante prigioso piate, un santo de cadene, un mio core si spende, tanti ogni aspera e tante notte piende. La mia vita manu a tu ruina, un mercede soprumessa regina. Di adesso lumi verma un ricordo svanito, un soffio indietro alla pre, silenzio verito. Elle est fatte. Non, elle est trop dure. Voilà, et c'est correct en plus. Eh bien ouais. Bon bah écoute, à peine arrivé, on s'est mis au niveau d'une petite rivière. Vous avez pu voir déjà la dernière fois que ça donnait pas mal au niveau des embouchures. Et puis bah, j'ai lancé juste en dessous de Kevin qui était en train de me régler la GoPro. Et puis bah, un joli poisson, squeletton morito, 5 cm. Un poisson qui doit faire 41-42. Donc ça fait plaisir. Et grogne. C'est un Saint-Pierre. Chaque fois on distance. Ouais. Le mec fait tout à l'envers. 42 minutes. Tu m'entends toujours? Ouais. Je vous entends bien. Voilà. Un superbe petit poisson de lac de barrage. On voit que le squeletton morito, pour le coup, il est pris en plein travers, il est bien coffré. Un beau poisson avec de superbes couleurs, des taches noires, des taches rouges. Vraiment, vraiment magnifique. C'est fait. Bah alors? Bah écoute, ça fait plaisir, hein. À peine arrivé, ça. Ouh, ça déstresse. C'est bien finalement ici? Bah ouais, c'est cool, hein. C'est un peu loin. Parce que j'ai roulé, bah, je sais pas, 1h40. Mais bon, la récompense y est, donc on espère toucher encore quelques jolis poissons. Faudra un squeletton 3 cm. Antoine, il a dit qu'il fallait pas pêcher au calais. Faut que j'en fasse une squeletton orange. Mais non, il le faut. Bon, je l'ai. Pas bon. Regarde, j'ai tout un peu mieux. Je t'emmerde un peu, non? Oh, toute petite! Je vais me mettre des bâtons dans le roux. Des bâtons dans le roux. Ouais! Attends, je sors de tout ce bordel. Un magnifique poisson, amazing. T'as fait la petite aussi. J'ai mis un virage dans le palais, la pauvre. Elle est toute petite. Elle est toute mine. Oula. Elle a pris un... Elle a voulu... C'est énorme, regarde. Elle a des points qu'on repoussait dans la tâche. Hein, là où elle était abîmée. C'est ouf. Elle s'est refait. C'est ouf, ça. Elle avait un trou, et... genre une attaque de l'emproie. La fameuse. Voilà. Elle est jolie quand même. Oh, ce ferrage que je lui ai mis dans le. Crac dans le palais. T'as vu, elle avait une blessure et ça fait des points qu'on repoussait dedans. Bah non, t'as vu, c'est pas du tout. Je pense que ça s'est fait faire une greffe d'une autre. La pauvre petite. Oh bah là, elle a été piquée.
C'est bon? Yes. Allez, ma Julie. Voilà. Bon. Bam. À base de pop. On l'a même pas mesuré parce que. Non, je l'ai loupé une première fois, j'ai dit poisson, je lui ai dit, il n'y a pas d'eau, c'est un caillou. Je lui ai dit non. Et j'ai pris la touche derrière, j'ai fait. Non, elles sont là quand même. Elles sont là. Elles se promènent. On va voir s'il y a des plus grosses maintenant. Voilà, petit chameau. Parce que c'est pertinent, l'autre jour sur ce même spot, on a vu qu'on les prenait. Et avec juste des petites pauses de temps en temps où je le retiens, alors c'est pas vraiment des pauses, mais c'est vraiment pour le laisser redescendre dans la couche d'eau tout en le maintenant, donc il continue à nager à la descente. Et après je repars du fond comme ça sur 6-7 mètres là. De temps en temps deux petits twitch pour vraiment, au cas où il y en a une qui suive, déclencher l'attaque. Le fait de voir un poisson qui avec une nage erratique comme ça, ça les déclenche. Et voilà, sinon du linéaire, de toute façon un chat dans le linéaire, ça reste l'animation classique. Une manche, calmez-vous. Non, sur la vidéo, on a vu genre au premier tour de manivelle quoi. Mais je sais pas si je pense que j'étais en train de reprendre le mou en fait. Ah ouais? Et du coup, les cannes à pêche, c'est pourquoi? Ouais, finalement, on va faire un truc de fou. Une truite de 90 filmée en drone. C'est la merde, non, du coup? Quoi? C'est le nouveau secteur? Non, c'est toc de joli, mais il n'y a pas beaucoup d'eau. Alors ça, bon, ça les empêche pas, au contraire, c'est là où ça chauffe le plus vite, donc c'est bien. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un pet de vent. L'eau est d'une turbidité négative, à savoir, elle est très claire. Et c'est cristalline. C'est cristalline, mon partenaire minceur. Et du coup, bah, elles sont un petit peu méfiantes, je pense. Le petit coup de pêche avant. Ouais, là, c'est ce que je disais juste quand on est arrivé sur ce spot. Bon, déjà, le spot est beaucoup plus joli, c'est plus creux et tout. Et surtout, là, il commence à faire lourd. Il y a les nuages qui sont vraiment assez bas. Il fait lourd, il pleut pas, donc tant mieux, parce que pour filmer, ça devient compliqué. Et bah, c'est un vrai temps de pêche et un vrai temps à truite, quoi. Donc, je pense qu'on va continuer à pêcher, il y a moyen d'en faire encore. Oh, c'est gros. Ouais. Olé. Non, saute pas. Oh là 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 là, ça fait des choses n'importe quoi. Bon, elle est pas énorme, mais ouais, c'est un beau poisson. Elle est énervée en tout cas. Au chabou. Elle est pas si grosse, mais elle est toc d'énervée. Ah si, elle est belle quand même. Yes. Oh. Ouais, par là. Nos bulles, bordel. Ouais, grave. Autant les autres, elles étaient maigres. Ça va, ça est grosse. Petit pélac, quoi. C'est clair. Mais où tu prends ça? Elle est bien massive. Ouais. Elle m'a défoncé. Elle mange bien la cantine par rapport à celle de la rivière. Voilà, un magnifique poisson au petit chameau. Motoroil, que je pêche jamais avec, mais c'est vraiment un coloris couleur truite, hein. C'est typé truite avec un ventre orange UV là. Et voilà, un poisson ultra massif, c'est vraiment cool. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, mais là il commence à pleuvoir. On est en milieu d'après-midi, on a
On a eu quelques touches du coup et fait ces quelques poissons en milieu de matinée. On n'est pas arrivé trop tôt non plus, donc peut-être qu'il aurait fallu. Mais là, ça s'est bien calmé. Et voilà. Et de toute façon, là, les caméras, c'est pas trop étanche, l'appareil photo, donc on va pas jouer au con. Et on va partir en week-end. Parce que vous regardez cette vidéo, bah, il est vendredi après-midi. Et comme tout le monde, c'est l'heure de la débauche. Allez, ciao.